Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Une série, je vous le rappelle, qui est consacrée aux grands personnages qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Aujourd'hui, il sera question d'Irma Levasseur. Irma Levasseur, qui a été la première Canadienne française à exercer la médecine au Québec. Elle est née en 1877. Et elle est décédée en 1964 dans l'indifférence, hélas, la plus totale. Très jeune, elle a vécu un événement traumatisant, la mort de son jeune frère, un événement qui va d'ailleurs provoquer l'éclatement de sa famille. Et dès lors, la voie d'Irma Levasseur est tracée. Elle sera médecin et elle guérira des enfants. Mais avant de réaliser son rêve, de nombreux défis se poseront à elle, de nombreux obstacles. Elle devra d'abord vaincre les préjugés de son époque, préjugés à l'égard des femmes, bien sûr, qui voulaient exercer des professions libérales. Elle devra aussi se trouver une institution d'enseignement pour la former convenablement. Et une fois cette formation acquise, elle devra être reconnue, devoir son statut de médecin reconnu par une corporation composée exclusivement d'hommes. Irma Levasseur était une femme de tête, une femme persévérante. Elle ne lâchera jamais. Et on peut dire qu'avec le recul, qu'elle a véritablement accompli son destin. Elle l'a accompli parmi nous au Québec, en étant une des cofondatrices de l'hôpital Sainte-Justine, en créant une œuvre dédiée aux enfants à Québec et en créant aussi une clinique pédiatrique à laquelle elle se consacrera la majeure partie de sa vie. Mais elle va aussi réaliser son destin à l'étranger. Elle sera un médecin remarqué sur les champs de bataille de la Serbie durant la Première Guerre mondiale, vous imaginez. Elle sera aussi quelqu'un qui va travailler pour la Croix-Rouge, en Europe et un peu partout. Donc, c'est un destin absolument exceptionnel, un destin dont va nous parler une romancière qui est très connue du grand public. Une romancière qui a écrit de nombreux romans historiques, toujours très fouillés au plan historique. Des romans historiques, donc, qui sont lus désormais par des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices aussi. Elle a consacré 3 tomes à la vie d'Irma Levasseur dans une grande saga de romans historiques. Je vous prie donc d'accueillir chaleureusement Mme Pauline Gill. Bienvenue. Ça fait plaisir. Prenez place. Donc, la première question, je pense qu'on peut se poser, parce qu'on voit ici, là, vous avez consacré ces trois livres à la vie d'Irma Levasseur. Vous y avez consacré de nombreuses années de votre vie. Et ensuite, là, maintenant, c'est un livre de poche. Oui. Comment vous l'avez découvert, Irma Levasseur? Comment elle est arrivée, est entrée dans votre vie? C'est un drôle de concours de circonstances. Je cherchais à un moment donné, en écoutant une partie de hockey, où on interprétait l'hymne national en anglais. Ça dépend toujours où ça se joue. Et là, je me suis demandé combien il pouvait y avoir de versions de l'hymne national. Alors, je suis allée fouiller sur Internet et je trouve différentes versions, même en français. Et là, on donne évidemment le nom du musicien, le parolier, et on ajoute un paragraphe dans lequel on dit on a déjà attribué les paroles, pas les paroles, mais la musique, à Nazaire Levasseur. Et on fait une courte biographie de Nazaire Levasseur en indiquant qu'il est le père de la première femme médecin au Québec. Et c'est là que vous découvrez qu'elle existe. Et c'est là que je découvre qu'elle existe. Moi, je n'avais absolument rien d'Irma Levasseur. Alors là, je vais fouiller sur Internet pour trouver tellement peu de choses que je me suis dit, il faut que je m'y attaque. Et c'est donc comme ça que vous avez... Combien de temps vous avez consacré à ces livres? Si on compte aussi le temps où j'ai dû engager, avant d'écrire, j'ai dû engager des assistants à la recherche. Pour écrire ces 3 tomes, il y a eu 7 ans. 7 ans. Oui. Et vous dites, embaucher des assistants de recherche. Donc, il y a vraiment eu une enquête au niveau des archives. Parce que dans vos romans, vous citez des lettres, toujours en italique. Oui. Ce sont de véritables lettres que vous avez trouvées dans les archives. Oui, parce que moi, je veux coller aux archives le plus possible. C'est sûr qu'il faut que j'emprunte parfois à la fiction, parce qu'il ne faut pas que je perde mes lecteurs quand même. Et puis, il y a toujours dans le roman historique ce pilier central qui est la vraisemblance. Mmh. Alors, quand mes assistants à la recherche ont tout fait,
et que moi, derrière eux aussi, je suis allée revérifier des choses parce que parfois, ils ne sont pas allés assez loin à mon goût. Et que je trouve qu'il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Quand on a fait le tour de tout le contexte historique, social, politique du temps, on se dit que ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais mes assistants à la recherche, ils sont là pour préparer le terrain. Alors, ce temps-là, bien sûr qu'on me souhaiterait que le gouvernement m'ait aidé à les payer, mais ce n'est jamais le cas. Et malheureusement, est-ce que les archives étaient facilement accessibles? Les archives à la Bibliothèque nationale de Montréal, je suis gâtée. Sur Irma Levasseur? Sur toutes les recherches que je vais faire, suis gâtée. Par contre, pour les recherches sur Irma Levasseur, ça a été un véritable combat. On dit que la vie d'Irma, c'est un combat. Bien, je me rends compte que ce qu'elle a exigé aussi, c'est un combat. Parce que, évidemment, quand j'ai découvert qu'on la nommait à ce moment-là fondatrice de l'hôpital Sainte-Justine. Alors, je m'attendais que les portes des archives de l'hôpital Sainte-Justine me soient ouvertes. On les a ouvertes, d'ailleurs, mais on les a vite refermées quand on a su que ce n'était pas sur Mme Beaubien que je voulais écrire. Oui, alors ça, on y reviendra sur cet épisode. Aussi, d'autres... Par contre, j'ai trouvé ailleurs ce qu'on n'avait pas voulu que je fouille là, parce qu'il y avait une loi, comme a dit mon avocat, qui leur permettait de ne pas laisser les rapports de procès-verbaux à la connaissance du grand public. Ah oui. À l'hôpital de l'Enfant Jésus, bien, je pensais être mieux servie et l'accueil a été fantastique parce qu'il restait encore là une dame, une religieuse dominicaine des Enfants Jésus qui m'a accueillie et qui m'attendait d'ailleurs avec une enveloppe brune. Oh. Pas du genre de celle que vous pensez. Non, 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 évidemment. Évidemment. Non. Oui. Et dans cette enveloppe brune, il y avait trois papiers, dont une photo. Donc, c'est une belle collaboration, mais une récolte assez mince. Alors, je ne m'avais pas fait faire ce voyage-là me remettre trois documents. Alors, elle dit, on a dû tout déposer à la Bibliothèque nationale de Québec, qui se trouve à l'Université Laval. Alors là, je suis très heureuse. On a le temps, on repart de l'hôpital de l'Enfant Jésus, on s'en va sur le campus de l'Université Laval. Et à la bibliothèque, on m'apprend deux choses. Je n'ai pas le droit, à la Bibliothèque nationale de Québec, je n'ai pas le droit de consulter ces archives-là. Ah pourquoi? Bon? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des dossiers de patients. Ah, ben oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est confidentiel, mais je dis, enlevez-les. Ils ne m'intéressent pas, les dossiers de patients. On n'a pas le temps, on n'a pas de personnel pour le faire. Je leur offre mon conjoint, ils n'en veulent pas. Alors, donc... C'est fini, je ne peux pas consulter. Une fois votre conjoint passé, il n'y avait plus d'autres mondes, hein, c'est ça? On n'a pas trop d'autres. Bon. Et je demande dans combien d'années je pourrais revenir. Je vais vous laisser du temps pour faire du ménage. Ah, on ne peut pas, parce que ici, les archives de l'hôpital de l'Enfant Jésus sont cadenassées pour 50 ans. Ah oui. Donc, j'ai le temps de trépasser. Donc, vous avez... Il faut que je cherche ailleurs. Vous avez cherché ailleurs et... C'est ça. J'ai eu une bonne étoile à un moment donné et j'ai pu trouver ce que je cherchais suffisamment pour décider d'entreprendre, d'écrire le récit qu'on appellerait roman historique sur Irma Levasseur. Ouais. Alors, revenons à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Donc, personnage qui est né en 1877. Avant d'en arriver un peu plus à sa biographie, à sa vie, essayons de comprendre... Quels étaient les arguments? Parce que dans vos recherches, vous les évoquez, ça fait dresser les cheveux sur la tête, mais quels étaient les arguments dominants pour empêcher les femmes de devenir médecins? Il faut vraiment remonter à la création du Code civil de 1866, qui était inspiré par le Code français de 1804. Il y avait à ça, on avait ajouté aussi quelques éléments du Code Napoléon, plus les us et coutumes du Québec. Et on sait très bien que dans le Code civil, la femme n'était pas l'égale de l'homme. La femme qui prenait mari perdait tous ses droits. Elle devait exercer le même métier que lui, si elle voulait en exercer un.
Elle devait laisser son héritage à son conjoint si elle en recevait un. Elle n'avait même pas le droit de réprimer ses enfants. Elle avait un droit de surveillance. De là, le fameux dicton, « Attends-toi quand ton père va arriver. Mmh. » C'est lui qui avait l'intelligence et l'autorité pour corriger ses enfants. Les pères adoraient ça, je suis sûr. Ah, oui, sûrement. Ils arrivaient à la maison joyeux et bon. Et dans les cas de fidélité conjugale, imaginez que la femme n'avait rien à dire à moins que son époux amène sa maîtresse vivre sous le même toit. Alors, c'était sévère. Donc, si je vous suis bien, pour toutes ces raisons que vous venez de nous citer, c'était comme même pas pensable, c'était pas pensable qu'une femme puisse être médecin. Et pourtant, certaines qui, visiblement, avaient cette vocation, notamment une Écossaise, ont trouvé le moyen de détourner. Mais parlez-nous du cas de cette Écossaise, Margaret Ann Bulkley. C'est un destin incroyable. 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 Cette jeune fille veut devenir médecin. Elle est très jeune et déjà, elle sait qu'elle veut faire un médecin. Or, elle n'est pas acceptée parce qu'imaginez, elle est née en 1795. Donc, les portes des universités, non. Et encore moins les facultés de médecine. Alors, elle a autour d'elle un homme influent du Venezuela et elle a aussi comme oncle maternel un chevalier de l'armée. Alors, ces deux messieurs la conseillent. L'un lui dit, si tu te déguisais en homme pour entrer à l'université, juste le temps de faire ta préparation et d'avoir ton doctorat, après, tu viendras pratiquer la médecine au Venezuela. Là, on va t'accepter comme femme médecin. Alors, notre belle Anne Margaret consent de changer son nom. Il faut qu'elle se trouve un nom d'homme. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle emprunte le nom de l'un et le nom de l'autre et elle portera le nom de James Miranda Berry Stewart. Mais on va l'abréger, James Berry. Elle fait ses études en médecine. Elle se cache, elle cache son corps. Oui, elle se présente comme homme. Comme homme. Là. Oui. Voilà. Elle n'est pas très, très, très bien outillée pour ça, par exemple. Elle est toute petite. Elle a une voix haut perchée. Et pour se donner une chance, elle porte des grandes bottes à l'intérieur desquelles elle porte un soulier à talons hauts. Vous voyez les sacrifices que ça impose? Et pendant toute sa formation en médecine, elle va jouer à l'homme comme ça. La dernière année de sa formation, malheureusement, le monsieur de Venezuela décède. Elle ne peut pas aller pratiquer au Venezuela. Mais comme elle est mordue de médecine, elle replace sur elle son costume d'homme, ses chaussures à double chaussure, ses bottes à double chaussure, et elle va aller en Afrique pratiquer sa médecine. Incroyable, hein? C'est incroyable. Elle va se présenter dans l'armée britannique pour mieux passer. Et là, on ne semble pas, dans ce temps-là, avoir fait des examens très poussés. Visiblement, oui. On s'irrite un peu du fait qu'elle soit imberbe et qu'elle ait une voix plutôt féminine malgré tous les efforts qu'elle fait. Alors donc, elle va rentrer comme médecin dans l'armée britannique. Elle va aller travailler en Afrique. Et là, en Afrique, imaginez-vous qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un de l'armée, un haut placé dans l'armée, et Lord Somerset. Et lui, avec l'attrait qu'il éprouve, pour elle, il dit « ça ne se peut pas qu'elle soit un homme ». Mais l'armée les disgracie les deux. Ils sont chassés de l'armée et ils s'en vont vivre en Angleterre. Elle en femme et lui en homme. C'est le paradis. Belle fin. Paradis. Excellent. Parlons d'autres cas de femmes qui ont été des pionnières, peut-être trois rapidement, parce qu'ensuite on passerait... Ouais. Le cas de Florence Nightingale, qui est certainement très connue, Maud Abbott, Mary Putnam Jacobi, qui a joué un rôle important pour Irma Levasseur. Oui. Maud Abbott, notamment, a été une pionnière.
Maud Abbott, ça m'intéresse de vous en dire quelques mots parce qu'elle est, en plus, elle a été la grande amie d'Irma Levasseur. Elle aussi, très jeune, voulait devenir médecin. Et puis, voilà que... Elle vit au Québec. Elle vit à Saint-André. Voilà. Et elle voulait, très jeune, être médecin, mais voilà qu'elle perd sa mère et qu'il arrive un drame dans sa famille. Son père est soupçonné d'avoir tué sa fille handicapée. Alors, la grand-mère maternelle prend chez elle la petite Maude et elle décide qu'elle ne s'appellera pas Maude Babin. Elle s'appellera Maude Abbott, comme sa mère. Donc, Maude, elle frappe à toutes les portes des universités comme Irma a fait, mais il n'y en a aucune qui s'ouvre. Elle s'en va donc faire ses études de médecine au Collège Bishop. Mais là, les études terminées, elle ne peut pas faire de stage en milieu médical. Donc, elle ne peut pas pratiquer. Alors, elle va être confinée, elle, on va quand même la consoler. On va lui donner un beau poste aux archives et au musée de l'Université McGill. Parce qu'auparavant, elle avait fait une pétition pour demander, elle n'a pas gagné son jeu, mais pour demander qu'on accepte les filles. Alors, vu qu'on la connaissait un peu par ce biais, donc on lui donne à s'occuper du musée de l'Université McGill. Et c'est là qu'elle fait des recherches incroyables sur les maladies cardiaques. Elle rencontre le grand cardiologue, le docteur Osler, qui lui fait écrire des articles dans ses revues. Mais c'est à une condition, qu'elle ne dévoile jamais qu'elle est une femme. Alors, il faut qu'elle signe ses articles « Docteur M. Abbott » et jamais il ne la présentera devant un public. Il va publier ses articles dans ses revues à lui et ça a été le sacrifice à faire. Donc, Maude Abbott doit se résigner à avoir fait un cours de médecine qui n'a pas tellement servi. Passons au cas, on pourrait parler de d'autres pionnières, mais passons tout de suite au cas d'Irma Levasseur. Parlez-nous du milieu d'origine d'Irma Levasseur, à la fois, disons, socialement et culturellement. C'est quoi le milieu d'Irma? Dans quel milieu grandit-elle, au juste? Quand on connaît sa vie, on peut difficilement croire qu'elle venait d'un milieu huppé, aristocratique. Son grand-père Vénère était un riche banquier irlandais et sa mère, Irma, était une vraie grande cantatrice qui, pour réaliser sa carrière, a quitté sa famille alors qu'Irma n'avait que 10 ans. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Bien, c'est-à-dire, du jour au lendemain, on aurait pu la voir venir, mais Nazaire Levasseur, son père, était un homme d'une culture incroyable, un polyglotte. Il était le fils d'un homme très connu à Québec, à Saint-Roch de Québec. Et monsieur Levasseur accueillait chez lui tous les dimanches après le dîner tous les artistes de la place. Donc, Irma a grandi dans un milieu artistique. Et lorsque sa mère est partie, bien sûr que le chagrin est énorme, mais le grand-père Vénère décide de prendre Irma chez lui, sous ses ailes, et va lui payer une instruction qui vaut la peine. Elle va faire toutes ses années d'études au Collège Saint-Nom-de-Jésus-Marie à Québec. Mais avant de parler de ses études, oui, parlez-vous de cet événement. Il y a un événement déclencheur, j'en ai évoqué dans mon introduction, mais... On a vraiment l'impression que la mort de son petit frère, qui survient à peu près quand, est un événement bouleversant qui va un peu tracer sa voie. Parlez-nous-en un peu. Elle avait 7 ans et 5 ans. Elle a perdu 2 de ses jeunes frères. Et pour elle, ça a été un drame énorme, surtout quand on lui a dit « Les médecins ne viennent pas visiter les enfants à domicile, pas les enfants en bas de 7 ans, à moins qu'ils aient eu une fracture. » Alors, comme ses deux petits frères sont morts pas longtemps après leur naissance, on les laissait mourir. Et le climat judéo-chrétien qui existait à ce moment-là disait, bon, c'est un ange plus au ciel. On n'a qu'à en refaire d'autres petits-enfants. Et ça a marqué Irma au point qu'elle a dit, moi, je vais réaliser le rêve que mon père n'a jamais pu réaliser. Parce que Nazaire Levasseur avait fait quand même 2 ans de médecine et il avait dû arrêter faute d'argent.
mais c'était quand même son rêve à lui. Donc, Irma trouve scandaleux qu'on ne prenne pas soin des jeunes enfants et elle constate en même temps, en grandissant, qu'à Québec, il n'y en a pas d'hôpital qui veulent recevoir les enfants. Elle s'est dit, je vais devenir médecin et moi, je vais ouvrir des hôpitaux exclusivement pour les enfants et surtout pour les enfants pauvres. Parce que, bon, au cours de ses études, elle se rend compte qu'à Montréal, il y en a des hôpitaux, mais qui reçoivent les enfants anglophones et les enfants dont les parents ont de l'argent. Et donc, après le départ de sa mère, elle a, on sent en elle cette vocation et elle a la chance d'avoir un grand-père fortuné qui va financer ses études. Alors, mais là, elle n'est pas au bout de ses peines. Ah non, absolument pas. Donc, elle sait qu'à Bishop, ça ne donne rien d'y aller. On ne peut pas faire de stage après. Et elle là, vous ne parlez pas des universités francophones, évidemment. Ben non. À ce moment-là, c'est absolument impensable. Impensable. Alors, il reste une chose possible, c'est que son père a un grand ami au Minnesota, qui est lui-même médecin, le docteur Kanak Marquis, qui accepte de prendre Irma chez lui et de l'aider à s'inscrire à l'Université Saint-Paul du Minnesota, qui était tenue par les Pères de Sainte-Croix. Donc, à 17 ans, Irma prend le train, ça dure 4 jours, pour arriver au Minnesota, complètement seule et dans un but ferme, faire sa médecine. Elle est accueillie, acceptée à cette université. Et pour elle, c'est la réalisation assurée. Elle ne se doute pas qu'une fois sortie de l'université, son combat n'est pas fini. Ben oui, c'est ça. Parce que là, elle fait sa médecine. Oui. Et ensuite, donc, elle revient au Québec. Et dans sa tête, c'est une formalité. Est-ce que je me trompe? Mais enfin, c'est une formalité. J'ai mon diplôme, je suis docteur en médecine. On va forcément me reconnaître comme un médecin, un vrai médecin. Et ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. En plus qu'elle a 2 fois plus de formation, elle a 6 ans de formation pratique et théorique, alors que les confrères n'ont que 3 ans. Et elle est sûre qu'en arrivant au Québec, elle se présente au Collège des médecins pour obtenir son permis de pratiquer. Elle est sûre qu'elle l'aura instantanément. Ah non, pour 2 raisons. Elle est une femme et deuxièmement, elle n'a pas fait sa formation au Québec. On lui refuse le permis. Alors, quand elle voit ça, elle se tourne vers l'Assemblée législative pour demander ce qu'on appelle un bill privé qui va autoriser le Collège des médecins à l'accepter. Alors, le bill privé, d'après mes recherches, c'est Irma et Nazaire qui l'ont déposé. Via un député ou via le gouvernement à l'époque? Via le gouvernement. Et parce qu'Irma tenait à aller expliquer elle-même les raisons de ses revendications. Et là, elle faisait étalage de la mortalité infantile, qu'on connaît qui était 25 % dans le temps, là, et toutes les causes qui l'amenaient à vouloir devenir médecin et à ouvrir un hôpital pour les enfants. Alors, ça a pris 3 ans avant que le bill privé soit accepté. Donc, 25 avril 1903, Irma est acceptée en médecine à la condition de repasser ses examens au Collège des médecins. Elle va repasser tous les examens nécessaires et on va lui remettre son permis qu'en septembre. Donc, pour elle, en septembre, quand elle reçoit son permis de pratique de médecine, elle dit « c'est gagné ». C'est une longue saga. C'est une longue saga qui n'en finit pas de finir. Elle n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée. Pourquoi? Elle n'est pas gagnée. Parce que dans le milieu médical à Québec, où c'était sa priorité d'ouvrir un hôpital, dans ce milieu médical, les hommes ne veulent pas de femmes. C'est clair. Et on va aller prétexter toutes sortes de choses jusqu'à dire que les femmes, pendant leur menstruation, ne doivent pas travailler parce qu'elles endommageraient leur système reproducteur. La nervosité, le choc nerveux, hein, c'est oui. ça? Oui. Oui. Donc, il y aurait trop d'absence. Oui. Donc, ce ne serait pas rentable d'engager un médecin femme.
On évoque toutes sortes d'arguments. Tout ça est écrit, là. Oui. Oui. Oh oui, tout ça est écrit. Ça, oui. Oui. Ils n'en veulent pas. Et son projet pour fonder un hôpital pour enfants à Québec, il n'y en est pas question. Alors, elle croit que, par contre, à Montréal, peut-être que les gens sont plus ouverts. Peut-être que les médecins vont l'accueillir. Alors, pour tâter le terrain, comme on dit, elle s'en va donner un an de bénévolat à la crèche de Miséricorde pour voir si le milieu médical est prêt à l'accueillir. Alors, elle va donner des conférences, elle va soulever énormément de contestations, rien que par son attitude, parce qu'elle reproche aux religieuses de la crèche de Miséricorde de ne pas donner aux enfants ce qui est essentiel, de la tendresse. Arrêtons-nous là-dessus. Vous parlez des Sœurs de la Miséricorde. Oui. Moi, c'est une question que je me suis posée en lisant sur elle, avec vos travaux. Elle choisit d'être célibataire. Hein? L'homme oui. qui l'accueille au Minnesota... Non, mais c'est une question que je me suis posée en vous lisant. L'homme qui l'accueille, d'ailleurs, au Minnesota, aurait voulu l'épouser. Oui. C'est un homme pas mal plus âgé qu'elle, quand même, mais oui. aurait voulu l'épouser pour qu'elle était veuve, je crois. Et donc, elle refuse et elle choisit vraiment le célibat. Et on se pose la question que, dans le contexte de l'époque, ça aurait peut-être été plus simple pour elle de devenir une sœur ou tout ça. Quel était son rapport à la religion et pourquoi le célibat à ce moment-là, d'après vos recherches? D'abord, elle n'avait pas grand rapport avec la religion. Non. Non. Du côté de Levasseur, on était catholiques, croyants, protestants, pratiquants. Et du côté de son grand-père, on était protestants. Elle, entre les deux, ne sentait pas le besoin d'une appartenance religieuse. Elle, sa vraie religion, c'était la liberté. Et là, vous me voyez venir, comment voulez-vous, avec le code civil qu'on venait de voter, qu'elle accepte de remettre sa liberté entre les mains d'un mari? Ben oui, parce elle aurait dû pratiquer d'ailleurs le même métier que lui, habiter la même ville que lui, tout lui soumettre. Ça n'allait pas du tout avec son caractère ni avec son idéal de vie. Deuxième élément, on est en 1906 toujours. Parlez-nous un peu justement de l'état de santé des enfants à ce moment-là à Montréal justement. Parce que vous dites, elle arrive à Montréal, on est à la veille d'un événement dont on va tout de suite parler, mais... Quelle est la situation, disons, de la santé publique pour les enfants à cette époque-là? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un désastre. Oui. C'est un désastre. 25 enfants sur 100 décèdent avant l'âge d'un an. Montréal est la ville qui connaît le plus haut taux de mortalité infantile au deuxième rang, tout de suite après Calcutta. C'est peu dire. Et ça, c'est attribué vraiment d'abord à la pauvreté. Qui dit pauvreté, dit trop, pas assez d'espace, pas assez de lumière, mauvaise hygiène, mauvaise alimentation. Ouais. Ensuite, il faut dire qu'on nourrissait les bébés au lait. Mais de quel lait? C'est énorme. Parce que les récipients n'étaient pas stérilisés. Le lait était pas d'une qualité recommandable. Imaginez-vous que j'ai découvert que certains producteurs laitiers mettaient de la cassonade dans leur lait pour faire croire qu'il était plus gras. D'autres mettaient du sel pour lui donner un poids supérieur. Mais quoi qu'il en soit, ce lait voyageait, non pas dans des réfrigérateurs, voyageait à la température ambiante, l'été comme l'hiver. Ça tournait. Ouais. Voilà. Donc, les gastro-entérites, les enfants en mouraient. Comme des mouches. Ouais, ouais. Comme des mouches. Ça tombait comme des mouches. Mais oui. il y avait aussi un autre facteur qui était la croyance, je effleurais un peu tantôt, la croyance judéo-chrétienne et l'aspect pratique de la société. On prétendait qu'un enfant qui était malade avant l'âge de 5 ans ne serait pas très utile dans la société. Donc, on ne dépensait pas d'argent. Écoute, l'État-providence n'était pas là. C'était trop fragile, au fond. Trop fragile? Oui, c'est ça. Ça ne ferait pas quelqu'un d'aidant. Voilà, c'est ça. Alors, on ne gaspillait pas d'argent pour le sauver. Sauf qu'il y a un certain nombre de philanthropes et de femmes comme Irma Levasseur qui s'insurgent contre ces mentalités. Et qui vont donc
qui vont créer, ces femmes-là vont créer l'hôpital Sainte-Justine. Quel est son rôle, au juste, à Irma Levasseur? Vous avez dit, j'ai essayé d'avoir ses archives, tout ça, c'était pas clair. On a l'impression que son rôle n'est pas clair et n'est pas peut-être pleinement reconnu. Expliquez-nous. C'est que après son année d'investigation à Montréal, elle sent que certains médecins seraient d'accord pour joindre leurs efforts à elle pour ouvrir un hôpital pour enfants francophones. Alors donc, elle se prend un appartement en mars 1907 sur la rue Saint-Hubert et elle commence à voir l'état des enfants à Montréal et elle se dit « faut que j'ouvre une clinique ». Donc, elle déménage sur la rue Saint-Denis dans un appartement plus grand et là, elle commence à recevoir des jeunes patients. Elle va donc chercher l'aide de bénévoles, dont Mme Thibodeau, qui a recruté d'autres bénévoles. Et ces bénévoles étaient presque toutes des dames de gens haut placés, d'aristocratie, de la bourgeoisie de Montréalaise. Et c'était correct, parce qu'il fallait s'allier des femmes dont les maris avaient de l'argent. Donc, ça promettait bien. De mars 2007 à novembre 1907, oui. Irma et quelques bénévoles prennent soin des enfants qui vont se présenter à sa clinique qu'elle appelait l'hôpital des enfants malades. Mm-hmm. Et en novembre, Mme Thibodeau lui dit « Je connais une femme qui serait heureuse de se joindre à notre équipe. » Elle parlait de Mme Justine Lacoste-Beaubien. Mm-hmm. Alors, Irma va rendre visite à Mme Lacoste-Beaubien, lui expose son projet. Évidemment, à cause du Code civil, il faut qu'elle demande la permission à son mari pour devenir bénévole dans l'équipe d'Irma Levasseur. Alors, il y a quelques jours de réflexion, mais Irma, finalement, Justine est très, très, très heureuse d'entrer dans cette équipe. Et elle fait un recrutement incroyable d'autres dames qui ont de l'argent, dont les maris ont du prestige. Et tout ce beau monde-là, finalement, se joint à Irma pour fonder le premier hôpital qui, à son insu, deviendra l'hôpital Sainte-Justine. Je dis à son insu parce qu'on ne lui a pas demandé son avis. On a pensé qu'elle avait mis à la porte l'hôpital des enfants malades. Il fallait bien donner un nom pour être reconnue comme clinique. Alors, elle est un peu dérangée par ça. Surtout qu'elle a un caractère assez pointu. Et là, on explique que Sainte-Justine, c'est parce que c'est une sainte qui aurait guéri Mme Justine Lacoste-Beaubien lorsqu'elle était toute petite. Alors, les évêques allaient à Rome, il fallait qu'elle en revienne avec certains objets, certaines reliques, qu'ils ne savaient plus quoi en faire à un moment donné, mais les communautés religieuses, elles acceptaient ces reliques. Mmh. Alors, la supposée Sainte-Justine, elle est à Longueuil, à la maison mère des sœurs de Jésus-Marie. Et donc, c'est pour ça que Sainte-Justine, c'est pas en l'honneur de Mme Justine Lacoste-Beaubien. Ah non, non. Non. C'est en l'honneur de cette sainte. Mm-hmm. Et on forme un comité. Alors là, il y a assez de monde. On forme un comité qui sera constitué de dames dont la présidente sera Mme Justine Lacoste-Beaubien. Alors ça, c'est le conseil d'administration. Et Irma s'étonne de voir qu'elle ne fait pas partie du comité du conseil d'administration. Pourquoi, selon vous? Elle insiste, elle est acceptée finalement, mais deux mois après, on lui reproche son manque de sens des affaires. Mm. Mais on découvre un peu plus tard que finalement, c'est parce que ça n'allait pas un médecin avec le conseil d'administration qui est là. Ce conseil d'administration était formé de femmes qui avaient été formées à la Société nationale de Saint-Jean-Baptiste. C'est pas société, mais c'est à la Fédération nationale de Saint-Jean-Baptiste. Mmh. Et elle concevait que cet hôpital-là devait être le prolongement du travail de la maman à la maison auprès de ses enfants. Donc, ça n'allait pas du tout dans les vues d'Irma Levasseur. Mm.
Alors, Irma, donc, veut établir un lien entre le conseil d'administration et le comité des médecins qui vient de se former, des médecins qu'elle a recrutés. Mais les dames patronesses veulent avoir la régie totale de l'hôpital et même avoir autorité sur les médecins. Elles qui n'ont aucune formation médicale. Alors, vous imaginez les conflits que ça crée. Irma fait partie du comité médical, mais quand on distribue les rôles, on la relègue au dispensaire. Elle qui est allée en Europe pendant 2 ans chercher une formation comme obstétricienne et chirurgienne et pédiatre. Elle se sent blessée énormément et avec raison. Et donc, à ce moment-là, elle va quitter. Elle va quitter. On va un peu parler de ces pérégrinations à travers le monde. C'est très impressionnant. On la retrouve d'abord aux États-Unis. Alors, à la suite de cet échec, enfin, de cette déception, elle va aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui elle côtoie? C'est que lorsqu'elle a fait ses stages à New York avec Mme Mary Putnam Jacoby, elle a connu plein d'hôpitaux. Elle a aussi travaillé pour la ville de New York, qui lui a fait faire des travaux en laboratoire sur la découverte des maladies et des causes de maladies infantiles. Et puis, donc, elle sait que là, elle sera bienvenue. Elle continue de se spécialiser, au fond. Tout à fait. Elle quitte Montréal et elle s'en va directement aux États-Unis parce qu'elle connaît bien Mme Mary Putnam Jacoby, qui l'a supervisée en stage. Et la ville de New York est très heureuse de la recevoir. Elle lui confie même la rédaction d'un cahier d'hygiène pour les familles. Donc, de 1908, on était rendu, jusqu'en 1915, elle va continuer de travailler à New York. Elle s'expatrie. Oui. À défaut d'être reconnue. Entre-temps, bien sûr, comme elle a déposé un bill privé, une demande de bill privé, donc elle retourne de temps en temps à Québec pour voir où s'en est rendu et son père qui supervise le développement des choses. Et donc, elle apprend en 1903 qu'elle peut pratiquer la médecine, mais elle a un échec à Québec, elle a un échec à Montréal, donc elle retourne à New York travailler. Et en 1914, la guerre, la Grande Guerre. Exactement, la Grande Guerre éclate et là, on va la retrouver en Europe. Parmi les 5 personnes, les 5 médecins canadiens qui vont aller comme bénévoles soigner les enfants et les gens atteints du typhus en Serbie, il va y avoir une femme et ça va être Irma Levasseur. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'elle a consigné, elle a tenu un journal de cette aventure, parce qu'il y a eu des traces, il y a eu un hommage qui va lui être rendu plus tard. Comment ça s'est passé? Elle a travaillé où? Elle avait, en Serbie, je vais vous faire part un tout petit peu du témoignage du docteur Albini Paquet, qui, lui, a travaillé avec elle en Serbie. Elle n'avait pas le temps de tenir de journal. Ah, c'est incroyable ce qu'elle faisait. Elle était dans l'action, tout le temps dans l'action. Et puis, c'est le docteur Albini Paquet qui va rendre hommage à Irma à l'occasion de son 50e anniversaire de vie professionnelle. Ça a tardé, mais c'est venu. Il dit, Irma Levasseur s'installe en Serbie et procède à l'immunisation de la population au rythme de 1000 par jour. C'est presque incroyable. Elle a pour l'aider 4 prisonniers de guerre autrichiens qui agissent comme infirmiers. Elle organise un hôpital de fortune dans la ville. Les malades privés de lit couchent par terre. Les médicaments sont rares. Le bateau qui nous en apportait a été coulé dans la mer Égée. Irma est débordée par une situation intenable. Travaillant sous un bombardement quotidien, elle doit faire creuser de larges fosses où les morts sont empilés par centaines. C'était une femme d'action et d'une énergie extraordinaire. En 1918, tout le pays et la Macédoine où je peinais aux mêmes tâches qu'Irma devaient être occupés par les Autrichiens et les Bulgares. Il fallut abandonner la partie et ce fut l'exode vers la mer, dans le plus affreux des désordres. Je n'ai pas revu Irma Levasseur et j'ignore comment elle a réussi à sortir des Balkans
et à suivre à tant de privations et à survivre à tant de privations et d'horreurs. Alors, son premier mandat était dans une usine abandonnée pour ouvrir un hôpital, et le deuxième était dans une école délabrée. Et elle a continué son travail 1 an et 3 mois de plus que ses collègues masculins. Alors, chapeau Irma. Elle a aussi travaillé pour la Croix-Rouge. Oui. Alors, lorsqu'elle a dû finalement, elle aussi, se soumettre aux ordres, elle est rentrée en France où elle a travaillé pendant 2 ans pour la Croix-Rouge à soigner les soldats blessés et à soigner aussi les dames qui avaient été laissées par les soldats, évidemment, et qui étaient laissées dans la pauvreté et dont les enfants aussi souffraient de multiples maladies. 2 ans, donc, pour la Croix-Rouge en France et ensuite 2 autres années à New York avant de rentrer à Québec. Voilà. Et là, elle rentre à Québec. On était en quoi? 1922. Et là, on a deux héritages, deux choses qu'elle va créer, une œuvre et une clinique. Parlez-nous de ces deux grandes contributions, dont surtout la clinique où elle va passer la grande partie de sa vie. Ce qui avait été son échec à Montréal, elle croit pouvoir le réaliser à Québec. Elle a de l'argent maintenant. Elle n'a pas à attendre l'argent des dames patronesses ou de leur mari. Elle a 30 000 $ d'économie, parce qu'à New York, elle était bien payée. Alors, elle achète une superbe maison sur la rue Grande Allée à Québec, qui sera l'hôpital des enfants malades de Québec. Elle investit donc toutes ses économies et elle recrute avec elle aussi des bénévoles. Et elle a déjà de son côté 3 médecins, dont le docteur Lachapelle, qui avait dit oui, peut-être en 1906, mais finalement, ça n'avait pas abouti. Lui, là, il est bien content et même il lui avoue, vous réalisez le rêve que je n'ai pas eu le courage de mettre sur pied. Donc, Irma ouvre son hôpital sur la rue Grande Allée et elle indique bien que c'est un hôpital où on donne des soins gratuits aux enfants pauvres. Alors, vous devinez qui sont les gens qui se promènent sur Grande Allée pour entrer à cet hôpital-là? Des indigents. Elle exigeait même qu'ils aient leur carte d'indigent. Alors, ça n'a pas été long que la présence de ces personnes démunies a gêné l'aristocratie et la bourgeoisie de la Grande Allée. Alors, on est allé jusqu'à envoyer un huissier à l'hôpital d'Irma pour les sommer de quitter, d'aller s'installer ailleurs, que la population de Grande Allée n'en voulait plus. Alors, Irma, bon, elle ne s'est pas laissée impressionner. C'est ma maison, je l'ai presque toute payée, on reste ici. Mais ça n'a pas duré. Parce que les médecins qui travaillaient avec elle à ce moment-là, eux aussi ont été dérangés par les plaintes de l'environnement. Et comme Irma ne voulait pas broncher, eux, ils ont décidé de quitter cet hôpital-là et d'aller s'installer justement ailleurs. Alors, il y a eu du branle-bas de combat au conseil d'administration formé de dames, mais au moins ces dames-là n'avaient pas exigé de gérer des médecins. Mais il y a eu des conflits. Irma avait une personnalité de femme, de cause, mais même le docteur Lachapelle lui a reproché de manquer d'esprit rassembleur. Elle était une femme de cause qui avait ses idées. Pour elle, le vernis social n'avait aucune importance, alors qu'eux étaient tout de suite empressés de s'affilier à des organismes qui avaient un renom. Alors, des deux côtés, on pouvait avoir raison. Alors, tout le monde l'a quittée et elle s'est retrouvée seulement avec 7 personnes qui étaient de son ancienne équipe, alors qu'on avait déjà hospitalisé chez elle en si peu de temps 261 enfants. C'était un succès. Alors, on s'en va ailleurs et on emporte avec soi le nom de l'hôpital de l'Enfant Jésus. On ouvre ailleurs et on change la vocation.
De sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'hôpital pédiatrique à Québec. Hein? Non, c'est vrai. Non. On a changé la vocation de l'hôpital de l'Enfant Jésus parce qu'il y avait une certaine concurrence avec les autres hôpitaux. On voulait se démarquer. Et on peut dire que l'hôpital de l'Enfant Jésus se démarque. Drôlement, les deux projets avortés de Irma Levasseur sont devenus de grandes institutions hospitalières, de renommée internationale. Ça n'a peut-être pas fonctionné pour elle, non. Mais ça a donné quand même des fruits. Alors, elle a compris quelque chose, Irma. Mm. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas fonctionner avec une grande équipe. C'est assez une bonne déduction. Elle a compris aussi qu'elle ne devait avoir à ses côtés que des médecins spécialistes sur appel. Mm. Elle avait suffisamment de formation pour faire plein de choses. Elle faisait de la chirurgie, d'ailleurs, dans sa clinique. Elle a ouvert donc une toute petite clinique sur la rue Artillerie, à Québec, parce qu'elle a perdu sa maison et qu'on a même saisi toutes les actions qu'elle avait dans la compagnie Bell. On lui a tout enlevé. Et pour compenser pour le manque à gagner pour la maison qui n'était pas finie de payer. Alors, elle est allée s'installer ailleurs. Et là, ça ne dérangeait pas dans le quartier où elle s'est installée. Elle a ouvert une toute petite clinique avec 7 personnes pour l'aider, 3 spécialistes. Et là, elle était heureuse là jusqu'à l'âge de 80 ans, avant qu'un autre drame arrive. Justement, cette clinique, c'était vraiment une clinique qui s'adressait aussi aux pauvres ou pas nécessairement? Nécessairement aux pauvres et aux enfants handicapés. Elle a développé même, entre-temps, un projet très intéressant qui était une école pour les enfants handicapés intellectuels. Elle est allée voir un mouvement qui était, j'oublie le nom, féminine, fondé par Madame... Oh, j'oublie tout, je vais aller voir mes notes. L'école qui est devenue l'école Cardinal Villeneuve, finalement. Je vais vous l'avoir très correctement. Voilà. Alors, il existait à Québec et à Montréal aussi la Ligue de la jeunesse féminine du Québec, qui était fondée par Mme Thérèse Casgrain. Elle est allée voir cette Ligue et elle a demandé s'il y avait des bénévoles qui pourraient l'aider à mettre sur pied une école pour les enfants handicapés intellectuels. Elle a reçu un accueil extraordinaire. Et donc, en peu de temps, on a pu recevoir dans un local qu'on appelait le foyer, une 20aine d'élèves avec des enseignants bénévoles. Et la popularité s'est faite de telle sorte que les curés en parlaient en chaire, les députés en parlaient partout, de sorte que finalement, on a donné une subvention importante et c'est ce qui est devenu l'école Cardinal Villeneuve sur le chemin Saint-Louis à Québec. Ça, c'est une belle réalisation qui s'est faite cette fois sans heurts. Oui. Mais ça va un peu moins bien aller à la fin de sa vie. Elle aura des problèmes plus personnels et des problèmes de santé. C'est une fin un peu triste, enfin, la fin de Irma Levasseur. Très triste, très triste. C'est que déjà, cette femme, dans son quartier, était très originale. Une dame âgée de 80 ans qui a encore ses grands cheveux blancs avec une tresse, qui va se baigner tous les jours, qui même surveille les cours de natation, on dit, elle doit être dérangée un peu. En plus, dans sa maison, il y avait un tel désordre parce qu'elle n'avait pas cessé de faire des recherches médicales. Elle avait même encore des instruments médicaux dans sa maison à 80 ans. Et donc, dans le quartier où elle habitait, ça se parlait. On la voyait comme une femme excentrique. Excentrique, très excentrique. On savait qu'elle avait été médecin. On voyait souvent des gens rentrer là qui avaient l'air aussi des indigents comme avant. Puis on craignait, à un moment donné, par les dires, qu'elle soit assez dérangée pour mettre le feu à sa maison. Pas assez prudente, désordre. On avait vu... un poêle avec des papiers dessus. On avait vu un autre petit poêle à deux ronds qui avait aussi des papiers.
Puis on avait vu des canages, excusez le terme, là, des boîtes de conserve dans les coins que la parenté y apportait parce qu'elle était négligente sur sa personne et sur son alimentation. Alors, à un moment donné, on a dit, c'est assez, si sa maison passe au feu, tout le quartier va passer au feu. Et comme on le savait assez rebelle, on a pris les grands moyens. Un petit matin... On est quelle année, là? À peu près. On est en 1963. Mm-hmm. Des policiers arrivent chez Irma. Elle vient de préparer son bain. Donc, quand elle entend frapper à la porte, elle revêt vite une robe de chambre qu'elle se préparait à mettre au lavage. Elle va ouvrir avec ça. Les policiers tout de suite la prennent et la mènent dehors en disant « Il y a une fuite de gaz dans le quartier. Il faut vite sortir d'ici. » D'ailleurs, tous les enfants ont été sortis du quartier. Mais on l'amenait en hôpital psychiatrique. On l'internait. Et elle, comme elle était médecin, donc elle a voulu savoir pour quelle raison. « Je veux voir mon dossier médical. » Ben oui. Mais elle n'en avait pas eu. Alors, on l'a internée, on l'a enfermée dans une chambre. Et elle a engagé des poursuites contre le médecin, le surintendant médical de l'hôpital Saint-Michel-Archange. Et elle est allée en cour à deux reprises et elle a gagné son procès. Et vous avez lu les minutes, donc, de ces procès? Toutes les minutes. Et oui, puis avec le recul, on se dit, est-ce que c'était pas peut-être une dépression, tout ça? Mais vous dites non, vous êtes assez formelle. Ah, je le demeure. Oui. Parce qu'elle a fait venir, pour la faire examiner, un des meilleurs neuropsychiatres de Montréal, qui l'a vu plusieurs fois et qui a témoigné en cour supérieure de ce qu'était cette dame qu'il avait devant lui. On lui a posé des questions pendant des heures interminables. Elle avait une mémoire extraordinaire, un bon jugement et même de l'humour. Ouais. À un moment donné, un juge qui lui fait répéter trois fois la même chose, elle a dit, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire rendu à mon âge? » Ouais. Et finalement, elle gagne le procès. Et puis, pendant qu'elle est internée, elle se dit, « Oh, je devrais peut-être finalement m'en aller à une maison de pension. » Alors, elle commence à faire des démarches. Maison Sainte-Marguerite, on pourrait la prendre. Mais lorsqu'elle est libérée, alors son cousin, le docteur Petitclerc, vient la chercher. Et puis, elle dit, « On va passer chez moi avant de prendre mes choses. » Mais on avait détruit sa maison en son absence. Ah oui. On avait complètement vidé. Complètement rasé. Parce que justement, on craignait, les voisins craignaient qu'elle feu, absolument, etc. On disait, il y a de la vermine aussi. Ah oui, donc elle était complètement dépouillée. Oui, complètement. Et tout le temps qu'elle a été internée, un an et demi, elle n'a pas eu droit à recevoir sa correspondance. À rien. Rien. On lui a prêté une robe de chambre pour aller à la cour supérieure. Et justement, l'enquêteur lui demande, « Est-ce que c'est les seuls vêtements que vous avez? » Ben, elle dit, « Il n'est pas à moi, on me l'a prêté. Okay, » C'était dans un dénuement extrême. En fait, on pourrait même dire qu'elle était enfermée. Plus qu'internée, il y a un côté médical, mais enfermée littéralement. Enfermée, parce qu'elle n'avait, puis on le dit bien, lors du procès, elle n'avait aucun médicament. Elle n'en avait pas besoin, comme elle dit. Et comme je suis médecin, je suis mon propre médecin. Mmh. Je suis mon client en même temps. Mmh. Donc, je n'ai pas besoin des médicaments. J'ai toute ma tête. Elle s'éteint en 1964, ouais. Vous le dites, dans l'indifférence, dans l'anonymat. L'anonymat, dans l'indifférence, mais pas dans la pauvreté. Ça, c'est faux, ce qu'on a dit dans beaucoup, beaucoup d'articles. Ah oui. C'est pas dans la pauvreté parce qu'elle a laissé un héritage. Mmh. Elle avait quand même totalisé, écoutez, c'est pas rien, là, 13 000 dans ces années-là, c'était pas rien. Non, en effet. Donc, elle a donné à son cousin, le docteur Petitclerc, qui, même s'il n'était pas venu témoigner lors du premier procès, elle l'attendait, il ne s'est jamais présenté. Oui. Un dépouillement de plus. Mm. Mais elle est morte vraiment dans l'indifférence. Ça n'a pas été signalé dans les journaux de l'époque, première femme médecin. Il y avait 5 personnes présentes aux funérailles. 5? Et on n'a jamais inscrit son nom sur une pierre tombale, excepté quand l'Association des familles Levasseur
a décidé de se cotiser et de faire écrire son nom mais là, sur une carte. Mais si elle avait l'argent, pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Ouais. Ceux qui sont restés en contact avec elle n'étaient pas très intéressés à elle. Le docteur Petitclerc, c'est celui qui devait venir témoigner quand son frère est mort, puis il a attendu deux jours avant de venir le faire. Elle n'avait pas, elle avait une amie, elle n'était pas très sociable. Ouais. Et donc, on a l'impression que si on a redécouvert ce personnage, c'est un peu grâce à votre travail de romancière. Maintenant, son nom revit, hein, on revoit. Ouais. Alors, racontez-nous un peu, durant les dernières années, on honore sa mémoire. Depuis 2007, l'apparition du premier tome de Dr. Irma, sont arrivés des événements qui ont souligné sa mémoire. Exemple, à l'Université Laval, on donne une bourse aux jeunes filles qui vont en sciences. À Québec, au Cégep, François-Xavier Garneau, il y a aussi une bourse aux étudiants. À l'hôpital L'Enfant Jésus, l'amphithéâtre porte le nom de Irma Levasseur. Il y a un mont Irma Levasseur. Et il y a 3 ans, on a travaillé énormément, on a gagné notre cause pour qu'un parc à Montréal porte le nom de parc Irma Levasseur. Actuellement, il y a une pétition qui circule pour que l'agrandissement, le nouveau pavillon de l'hôpital Sainte-Justine porte son nom. Mais je suis très sceptique. Alors, en 30 secondes, Pauline oui. Gill, 30 secondes, qu'est-ce qu'on doit à Irma Levasseur? On doit d'avoir ouvert les portes des universités aux jeunes filles pour qu'elles puissent devenir médecins. On a un exemple de ténacité qui, malgré les apparences, dit que la persévérance est gagnante. Merci beaucoup, Pauline Gill. Très gentille. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.